Nous sommes en retard pour le premier rendez-vous chez l'orthophoniste. Celle que nous a conseillée Lucie se trouve près de la maison. Après cette prise de contact, mon père pourra s'y rendre seul, à pied. Je lui ai téléphoné en quittant le travail pour lui rappeler de se tenir prêt. C'est donc tout naturellement qu'il m'attendait en pyjama. Je me suis entendu lui dire les mêmes phrases que je répète chaque matin à Charlie Dépêche-toi, plus vite. Ton t-shirt est à l'envers. Tu as pensé à prendre ton sac je t'attends dans la voiture, je te laisse fermer la clé, lui dis-je, en tandis qu'il lasse ses baskets. Ok, microbe. Je m'installe sur le siège passager et démarre le moteur. Une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes. Je me catapulte hors de l'habitacle et bondis jusqu'à la porte de la maison que j'ouvre à la volée. Mon père, assis sur le canapé, regarde la télé. Papa, qu'est-ce que tu fous Il me sourit. C'est un reportage sur Janice Joplin. Je l'adore. J'ai très envie de l'envoyer la rejoindre. Je découvre l'art de la maîtrise de soi, je m'empêche de lui réprocher de nous mettre en retard à un rendez-vous qu'il a vraisembl... vraisemblablement oublié, et l'informe que l'orthophoniste nous attend. J'ajoute un chapelet de grossièreté, mais uniquement dans ma tête. L'orthophoniste a l'indulgence de l'habitude. Ses étagères sont chargées de jeux de société, de jouets ou d'outils ludiques. Elle a de longs cheveux gris et des ongles peints en violet. Je peux vous appeler Jean. Demande-t-elle d'entrer. Moi, c'est Gisèle. Elle me plaît instantanément. Mon père est sur la réserve. Il répond par des grognements ou des monosyllabes aux questions qu'elle lui pose. Elle finit par lui demander si ça l'ennuie d'être là. Ouais, je vois pas l'intérêt. Elle lui explique qu'elle va l'aider à travailler la planification et l'organisation qui lui font défaut. Il n'a pas l'air convaincu. Pourquoi êtes-vous venu? le questionne-t-elle. Parce que ma fille m'a emmenée. Elle explose d'un rire sonore, il se détend. Amuser les autres et son shoot d'héroïne. Le reste de la séance est consacré à l'explication des symptômes qui ont poussé mon père à consulter. C'est moi qui m'en charge, chaque mot me coûte. J'ai l'impression de lancer les poignards droit dans le cœur de mon père. Pourtant, comme à chaque fois, j'ai cette étrange impression qu'il ne se sent pas concerné. Mon père s'en fit fumer une cigarette tandis que Gisèle nous raccompagne à la porte. J'en profite pour lui faire part de mon sentiment. C'est possible, m'explique-t-elle. Il arrive souvent que les personnes atteintes de démence ne se rendent pas compte de leur état. Cela s'appelle l'anosognosie. C'est pour cette raison que c'est souvent l'entourage qui s'inquiète. Ça semble improbable qu'il ne remarque pas ces changements de comportement et d'humeur. Il y a des nouveautés chaque semaine, ça évolue à une vitesse folle. Cela ne m'étonne pas. Malheureusement, dans ce genre de pathologie, plus le patient est jeune, plus la progression est rapide. Je la remercie et rejoins mon père devant le cabinet. Il est en grande conversation avec un chien errant. Il râle, je l'ai fait attendre en plein soleil, je l'attrape par le bras et l'entraîne vers le parking, ma tête posée contre son épaule. Ça va aller, papa. Facile à dire, microbe, c'est pas toi qui vas voir un coup de soleil sur le crâne. C'est à cette certitude, il ne se rend pas compte, qu'il faudra que je m'accroche de toutes mes forces quand le chagrin m'engloutira. S'il ne sait pas, s'il ne souffre pas. C'est pour nous que c'est grave. Lui, il perd sa carte vitale. Nous, notre père. Je suis épuisée. J'achète son tabac, ses médicaments, je gère ses comptes, je ramasse les emballages qu'il jette par terre, je tire la chasse derrière lui, je nourris Apache, je réponds à ses vingt appels quotidiens, je cherche ses lunettes, ses cigarettes, sa carte vitale, ses chaussettes, son livre, ses CD, son caleçon, sa brosse à dents, son rasoir. Je lui rappelle ses rendez-vous, ses traitements, je m'occupe de ses papiers, des travaux de sa maison, je le motive à se laver, marcher, courir, s'habiller, je nettoie le café qui a coulé sans sa tasse. Pour le recevoir, je vérifie les dates de péremption de ses yaourts préférés, je dégote son code PUC, chaque fois qu'il entre trois codes PIN erronés, je tiens un registre de ses mots de passe, je l'accompagne au rendez-vous, je répète inlassablement les mêmes réponses aux mêmes questions. Je suis en colère. On est livré à nous-mêmes, coincé entre le trop et le pas assez, trop atteint pour rester seul chez lui, pas assez atteint pour être pris en charge. Je trouve les informations sur Internet, ou à la faveur d'une discussion avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Tout ce que je peux faire, tout ce que je dois faire, c'est surveiller l'évolution. Attendre un diagnostic, attendre un délabrement, attendre que la raison s'échappe assez pour pouvoir l'enfermer. Sans parler de l'aspect financier, par lequel je ne suis pas encore concerné mais qui m'inquiète déjà. Deux choix s'offrent aux personnes malades. À ma droite, le maintien à domicile, avec aide, aide ménagère et auxiliaire de vie. Qualité de vie convenable mais budget colossal. À ma gauche, le placement ou l'hospitalisation. Budget conséquent et qualité de vie très aléatoire. Ce n'est pas digne. Je ne suis pas seule. Mon mari et ma sœur m'accompagnent. Comment font les gens qui n'ont personne Comment font les gens qui n'ont pas les moyens On est démunis, désemparés, largués dans un monde opaque et sinueux. On doit improviser sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. Le chagrin serait peut-être moins lourd à porter s'il n'était pas plombé par toutes ces incertitudes. Je suis heureuse. Il est là son rire flotte dans le salon, sa mauvaise foi dîne avec nous, ses grandes paluches laissent des traces sur la porte du frigo, son parfum embaume la salle de bain, ses affaires traînent dans le salon, sa tête se balance quand il n'est pas content, ses ronflements font vibrer les murs, il râle, il blague, il respire, il gratte, il court, il vit. Et je suis aux premières loges de ce spectacle. Ces derniers mois ont été parmi les plus douloureux de mon existence. Les prochains le seront encore plus. Il y a la peur, le chagrin, les regrets, il y a le gouffre béant qui me tend les bras, mais il y a aussi, surtout, un trajet de retour d'école avec la musique à fond, un interrogatoire dans un poste de sécurité au supermarché, un mot posé sur une voiture, un jogging confidence, décédé dans un cerisier, un concert de rock dans la fosse, une coiffe d'indien à la kermesse. Même au creux des moments les plus sombres, il arrive qu'on rencontre un instant suspendu le bonheur. C'est la dernière tribu, la fin de la parade. Les chants ancestraux sont plus puissants que jamais. Le public est en transe. Les tambours battent la chamade. Les danseurs avancent en ligne sur toute la largeur de la rue. Mi homme, mi aigle, ils battent leurs bras couverts de plumes, virevoltent sur la pointe des pieds, balancent leurs jambes parées de clochettes. Du coin de l'œil, je vois la silhouette de mon père se lever. Je n'ai pas le temps de le retenir. Il rejoint les danseurs, se mêle à eux. Je m'attends à ce qu'il lui demande de partir, mais comme il savait comme s'il le reconnaissait, ils lui font une place parmi eux. Les yeux mi-clos, la tête baissée, il est loin, dans les grandes plaines d'Amérique, un soir de pow-wow, il sautille tournoie d'école, bat des ailes. Ma soeur me sourit entre ses joues inondées. Je pose ma tête sur son épaule. Vol, papa.